Salut tout le monde, c'est MacLeon85. Aujourd'hui on se retrouve pour Pokémon version platine. D'ailleurs, en regardant ça, je vais faire une petite modification dans le PC. Donc aujourd'hui, but objectif du jour, faire l'arène de Frimapic. Et enfin, faire l'arène de Frimapic et essayer de faire la Team Galaxy. Enfin, essayer de... aller embêter la Team Galaxy avec Enzo. Voilà, je retire. Malheureusement, Karma change vite à prendre escalade. Ça fait du mal de le dire, mais bon. Ah non, ça me fait chier, sérieux. Voilà, donc on avait récupéré la CS escalade. Plus qu'une CS, hein, comme vous pouvez voir. Il y en a 8. Parfait, il peut la prendre, je préfère. Tranche. Voilà. 13h10 à 13h40. On arrête. Ok. Moi je dis c'est parti pour l'arène de Frimapic. Arène de type glace, hein, je pense que c'est logique. On le remarque très facilement. Les deux Pokémon que j'utiliserai pour cette arène. Et toi, comment tu vas? Alors, j'explique le but. Donc, comme vous pouvez voir, je glisse et... Puisque je glisse, et bien je suis obligé d'avancer. On va faire ça. C'est parti. Je les fais tous, hein. Je vais essayer de tous les faire. Faut que j'en fasse le max, le max, le max. Oula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 . Deux Pokémon niveau... 3 Pokémon niveau 40. Ouah, je suis dans la grosse merde. Ah oui, je suis dans la très très grosse merde. Poche Léos. J'ai rien dit. Je suis plus rapide que en plus. Oh bah dites-moi. Mais que demander de plus? En plus je... Oh. On continue. Un galopa. J'ai bien fait de prendre Galopa, hein. Enfin un Ponyta. Hein. Et en fait, je suis un petit peu en retard. Ils sont tous tous 42 Pokémon à peu près, sauf. Sauf notre petit dernier. Lucario. Donc là, dans l'arène, il n'y a que des top dressers. C'est voilà, donc ça prouve vraiment que le niveau a beaucoup augmenté, hein. Parce que déjà dans l'arène de Verchamp, il y avait déjà quelques... Non, il n'y avait aucun top dresseur, pas dans l'arène de Verchamp. Dans l'arène de Joliberge, il y a déjà quelques top dresseurs. Maintenant, il y en a quelques de ça, ici. Et dans l'arène, dans la dernière arène, il y aura beaucoup plus de dresseurs, et pas que des top dresseurs, par contre. Ça peut être avantageux. Ouah, je suis un fou. Ah oui, c'est ça. Ah, c'est super chaud, hein. C'est super compliqué. Il faut prendre de la vitesse pour pouvoir détruire les... Il faut prendre de la... Donc je reviens à un truc. Il faut prendre de la vitesse pour détruire toutes les boules, le maximum de boules de neige. Pour passer. C'est ça qui me fait peur. En plus, je crois qu'elle a un mamochon, l'autre. Je vais prendre... tellement cher. Non, moi il tient le coup. Quoi? Même pas en coup critique, quoi. Heureusement qu'ils ont pas vive attaque, hein. Sinon j'aurais pris cher. Oui, t'es mort. Allez, si j'ai eu peur, mec. Détruit des boules au fur et à mesure. Ouais, hein. Pour les détruire, ouais, il faut avoir de l'élan, quoi. Le bonus. Je crois que j'allais faire qu'un seul pas puisque j'étais sur une marche, mais en fait, non, j'ai pas réfléchi.
J'ai foncé dans le tas. Bon, c'était le gamin, je touche, ça c'est sûr. Mais par contre, après, ça va être chaud. Si c'est que des stacks gamins, je les fais tous. Ouais, c'est pas ce que je pensais, j'étais sûr qu'elle avait un onigiri. Alors eux ils sont des types specs, c'est pour ça que la dernière fois j'avais peur avec avec mon comment il s'appelle déjà, avec mon Lucario. D'ailleurs je dois l'utiliser. Putain, est-ce qu'il est des types specs, je sais plus. J'essaye, mais je crois qu'il est des types spectres, hein. Et d'ailleurs s'il est des types specs, je suis dans la très grosse merde parce que j'ai que les attaques soit normales soit combat. Ouais, puis pas puissant du tout ça. Oh, yes! En fait, c'est Momartic qui est de type spectre. C'est sûr. Là, Momartic, je suis sûr qu'il est de type spectre. Donc là, en fait, là, je serai dans la grosse merde. Yes! 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 Orasphère, tu es à moi. Alors là, je vais tout péter. Là, je vais péter toute la glace. On va plus pouvoir glisser. Je suis pas remonté, je suis à nous. Alors, attendez, guérison, guérison. Ah, je suis content là. Ça me remonte le moral là, la petite Orasphère. Je l'ai eu. Oh, j'ai tout reformé. Le en fait, c'est pas une bonne idée de sortir comme ça. Okay. Toi, tu vas mourir. Change. Nouvelle technique. Bon, nous sommes partis pour la toute nouvelle technique de l'Orasphère. Pardon, je suis fatigué un peu là, je me suis remis super tôt ce matin. Pour internet justement. Bah, faut pas cheater là quand même, hein. Il y a un minimum. Tellement classe. En plus 20 pp cette technique, quoi. Et avec la puissance qu'elle a, I love you. J'aime Lucario. Ton résultat, il est glaçant, infernal. Ah bah c'est le cas de le dire. C'était tellement nul. Hop là, chacun son tour. Hop là. Hop là. Hop là. Alors ensuite, comment que j'avais fait déjà? Ouah, je suis trop puissant!
La puissance, la puissance. Salut. La liche te défonce, Tars. Je garde bien ma déflagration, mes déflagrations. Hein. Au point que j'utilise pas, parce que voilà, je peux faire garder. Alors, Ponyta, XP bien, je suis super content. Mais j'ai pris deux coups critiques, quoi. J'ai pris deux attaques, deux coups critiques. Ouais, totalement normal. Là, ça m'énerve, ça. Ah pardon, mais là ça m'a énervé. D'où vient cette force? Elle vient de mon cœur. Waouh, j'ai trop bien parlé. D'accord, c'était pas ça. D'accord, en fait c'était pas ça du tout. Oh, par là, par là. Est-ce comment j'ai fait tout à l'heure pour détruire cette boule là? Mais c'est pas grave en fait si tu la détruis pas. Alors c'est un super gros casse-tête ce truc hein. Ah je l'avais pas vu celui-là. Yes. De toute façon je les ai tous fait en plus hein. Mais oui je les ai tous. Ah non pas tous. Voilà la dernière. D'ailleurs, je... Non! Waouh, c'était cheaté ce que je viens de faire. C'était cheaté. Bah, je vais recommencer le cheatage. Hein. Cheaté! Putain, c'est puissant l'écrasement en fait. Hein. Putain, j'ai littéralement explosé sa face quoi. Oui, donc je disais, je lui fais confiance. Je suis sûr qu'elle est là, je suis sûr qu'elle va balancer un forfuré dès le départ. Ouh, niveau 43, bâtard. Bah, tu vas mourir. Oh. Ouais, je préfère. Je préfère. Sphère, c'est tellement classe. Yeah. Putain, je suis content, je suis content. Il a la technique ultime, la technique la plus puissante. Là, hop là, hop là, et hop là, j'ai le passage libre. La voie est libre, chef. Wow, 30 minutes. Il nous en reste encore 20 minutes de vidéo. Beaucoup de données. Pourquoi beaucoup? Bizarre. C'est un bizarre vie. Je sauvegarde hein, parce que voilà comme ça j'ai fait tous les combats et Pokémon sont au niveau. Hop là, hop là, hop là. On va les guérir tout ça et je les guéris et je vous retrouve devant la championne d'arène. Parce qu'après il y avait juste à aller tout droit. Enfin je vous retrouverai après avoir tout fait puis à l'entrée de l'arène. A tout de suite. Oh, tout le monde, en fait c'était tellement rapide que j'ai fait ça en 30 secondes. Allez, c'est parti, on y va. Et tada, nous voilà devant. Voilà, donc j'ai bien tout, tout refait comme avant. J'ai fait ça en 30 secondes. Galopa, allez, je me fais confiance, je suis sûr qu'elle a un Pokémon qui va être... Bien sûr, je tournerai sur Corias. Oh merci, laisse-moi te dire une chose, je tire ma force de ma concentration. Les Pokémon, la mode, l'amour, c'est une question de concentration. Je vais t'en faire une démonstration, tu peux numéroter tes abattis. Quatre Pokémon, sachant... Ouh, j'ai géré. J'en étais sûr. Donne ton XP, parce que tu vas mourir en une attaque. Ouah, wow, c'est tellement pas puissant. Eh oui, je suis de type passif. La 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 la. Pardon.
Et oui, alors les Aurasphères, je suis sûr de le tuer parce que la dernière fois j'étais en niveau 42 en haut avec Aurasphères. Hein. C'est pour vous montrer la puissance de cette attaque. On sait que c'est un type ténèbres et glace, donc ça prouve que ça augmente la puissance de 2. Mais bon, voilà. Yeah! Cochignon, on change. Attention, danger, danger, type sol. Déflagration! Coup de feu, c'est assez puissant. Normalement, ça devrait hausse. Yeah! Oh punaise, coup critique, j'en étais sûr. Ça me dégoûte, mais bon, c'est pas grave. Au moins, je l'ai tué. Blizzardois, alors là, c'est toi que j'attendais. Je vais faire coup de feu. Alors voilà, donc lui, il a encore appel. Ou alerte. Voilà, alerte de neige. Je vais vous lancer d'autres feux parce que j'ai pas envie qu'il utilise de potions. Comme ça, je suis tranquille. C'est un type plante et un type glace. Donc voilà, double puissance. Doucement, doucement, doucement. Wallows mmh. Yeah, ou le web 45. La grève continue, tout à fait. Allez, c'est qui le prochain? Momartic, c'est bien ce que je pensais. Bah là, je suis obligé de rester sur celui-là. Combien? 44, bien ce que je pensais. Ok, vraiment mis dans l'ordre de ce niveau. J'ai brisé la glace et sortir mon ultime Pokémon. Déflagration! Ah oui. J'ai de bons souvenirs de celui-là. Punaise. J'ai de très mauvais souvenirs maintenant. Son reflet. Punaise, je suis dans la merde là. Son reflet, mais. Il est cheaté, je vous le dis. Voilà, vous voyez, c'est un type spectre parce que c'est un type spectre. D'ailleurs, ça va faire mal ça. Punaise. Il me reste plus qu'un. Je te fais confiance pour qu'elle ou pas. Là, je suis dans la merde. Non, je suis pas dans la merde. C'est un type spectre, n'est-ce pas? Alors qui dit type spectre dit tu es nul face au type ténèbres. Et on va balancer aussi la nouvelle attaque de Luxray que qu'on a appris tout à l'heure dans l'autre épisode. C'est pas bon ça. C'est un PP sur 5 ça. Yes, un type spectre, j'avais raison. Par contre, malheureusement. Yes, la Bécitruche qui me sauve, Bon, ouais, qui me sauve, mais pas pour longtemps. C'est pas bon, ça. Parce que dans la logique, là, qu'est-ce qu'elle va lancer? Bah, l'ombre, hein? Non, d'accord, alors elle y va à fond, hein. Elle va être sûre de bien me battre. Donc, comme ça, il te reste plus que 3 attaques. Putain, je suis dans la merde, là, je suis dans la merde, je vous dis. Y'a que toi qui peux le battre, punaise. Ensuite j'ai Carmèche. Attaque PS, mais le problème c'est que tu ne fais pas de contact toi. Cette fois je sais plus si c'est plus. Aïe, j'en étais sûr. Tiens le coup, tiens le coup, tiens le. Putain le haut c'est cheaté. Oh non. Je suis dans la merde. Je peux rien lancer. Ça marche pas, ça n'affecte pas la bombe arctique. C'est pas puissant. Non, utilise ton bizarre, merde. J'ai fait exprès, punaise. Je tente au rasphère, mais ça va pas marcher, ça sert à rien. Putain, un critique. Je pourrais utiliser un rappel, je sais. Oh, puis en plus, il va être.
Morsure. Allez, allez, tiens le coup, putain, Blizzard, allez, tiens. Faut juste qu'il tienne le coup. Mais punaise, il est type sol et type plante. Tu mélanges les deux, c'est le remède pour mourir, quoi. La putain, c'est obligé, il m'a housse. Et le dernier, c'est un quoi, hein? Type dragon et type sol. De toute façon, je ne serai pas bon, bah ok. Il me reste plus qu'une chose à faire. Sans statut. Je me sens que j'ai vu un rappel max. Quoi? C'est une blague? J'ai vu un rappel max? Putain, je l'ai plus. Pas grave, hop là, utilise. Galoupa, de toute façon, il n'y a que toi qui peux l'attaquer. Des luxeray. Pas tous les autres, ils prennent cher. Bon, au moins, il a plus de blizzard maintenant. Ça c'est une bonne nouvelle. Et voilà aussi. Ça aussi c'est le remède parfait. Un dragon, faiblesse glace, sol, faiblesse glace. Je prends la totale quoi sur les deux. Waouh, c'est bientôt la fin d'épisode en plus. Je sais pas. Putain, mais c'est pas vrai. Dès que je balance mon Galoupa, c'est la balance directe cette technique. C'est bon, j'ai plus de déflagration, fais chier, tiens. Oh putain, la grêle. Et merde. Première défaite. Ça c'est pas bon ça. Eh ben merde, bon ben c'est pas grave. Ben je vous retrouve devant la championne. A tout de suite. Re tout le monde, allez c'est parti. Round 2. Deuxième round. Et go. Revanche. Pouah, punaise. Bon moi d'un côté ça expire Pokémon mais bon. Il y a quand même un vrai côté des choses hein. Ok, donc j'ai compris. Pour le prochain Pokémon, je vais garder Lucario. Parce que dans tous les cas, au dernier, il servira strictement à rien. Je change ma technique, allez. One, two, concentration. McLeon, tu vas le gagner, c'est moi. Plus t'as XP tes Pokémon, maintenant, ça sera beaucoup plus simple. Et le pas a bien gagné un niveau, hein. Je t'ose pas, je le sais. Quoi? Oh, j'aurais dû faire ça. Oh la blague. Putain, j'avais pas réussi à le hausse avec Galoupa quoi. Parfait comme ça, Galoupa, aucun dégât, il s'est chopé là, c'est parfait. Ah putain, c'est ma première défaite, sérieusement. De toute façon, je m'en souviens très bien ce moment article là. Moi aussi, je m'en souviens. Je l'avais perdu aussi la première fois. Même deux fois, je m'en souviens que je l'avais perdu. C'est super compliqué. Alors que j'avais un Simiabras en plus. Hein. Non, je perds pas de temps. J'attaque tout de suite. Je suis un fou. J'attaque tout de suite, tout de suite. Parce que la dernière fois, j'ai utilisé déflagration. Hein. Ça servait à rien. Son reflet est assez... Putain, c'est pas vrai. Il a une précision de merde, par contre, mon Ponyta. Un seul reflet, il lui... Putain. De toute façon, elle est intelligente. Hein. Elle fait exprès en plus de faire tomber la grêle. Yes. C'est bon, première fois que j'attaque. Enfin, j'ai déjà réussi à l'attaquer avec...
Ta Bessitrus me sauve la vie, mon petit. I love you. Logique, elle a passé l'attaque là. Prévu. Putain, déflagration aurait suffi pour la tuer, sérieux. Yes! Victoire! Victoire, c'est bon. Putain, il va me donner beaucoup là. C'est bon, alors là, aucun Pokémon de mort. Là, j'ai beaucoup plus de Pokémon. Quoi? Blizzard Boss, ça donnait beaucoup. D'accord, je me suis pris de sympathie avec toi. Waouh, tu es fantastique, je viens de gagner. Je viens de gagner mon esprit. J'étais stupéfaite par ta concentration et ta volonté. Oh, c'est vrai, je suis censé te remettre ceci. Badge glaçon, 7ème badge obtenu. C'est bon, waouh. Waouh, 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 waouh. Wow. C'est bon, c'est fait, c'est fait. Non, je peux me calmer là. Ouf. Je vais stresser un bon coup. Allez. Badge d'arène obtenu, c'est bon. Maintenant, allons aider Enzo. Au final, cette arène aura pris bien plus de temps que je ne le pensais. Alors toi tu vas plus XP pendant un moment, ça c'est sûr. Bon, Lucario rattrape les autres, c'est parfait. Karmage Torterra, c'est vous qui allez servir pour le combat au lac Savoir. Normalement s'il y a un combat, je sais plus. Là j'oublie par contre. Allez, on y va. C'est maintenant je peux utiliser cette chère technique. Ah parfait, il y en a un ici. Il y a un temps. Tan 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 tan. Tissu fauche. Ah mais ça c'est pour faire évoluer Terraclop en Occunoir. En échangeant. C'est déjà terminé, les Pokémon ne sont pas mauvais, mais tu... Ah mais ne m'attaque pas. Oh, je te connais, non, tu te souviens, Vestige. Écoute, la Team Galaxy travaille pour le bien de l'humanité, et c'est pourquoi tu n'aurais pas d'interposer. Bon, d'accord, je n'ai rien pu faire contre Team Galaxy. Ce Pokémon Cref, il souffrait. Je devais m'endurcir. La victoire à la défaite, c'est insignifiant. Je dois juste m'endurcir. Pour donner un bien de soeur, il ne suffit pas de le vouloir. Ça demande du travail et du cœur à l'ouvrage. Tout à fait, tu as tout compris. Ok, et donc, comme vous avez compris, il faut que j'aille. Maintenant, il faut que j'aille pour. Ben, Voilà Rock, pour le QG de Voilà Rock. Donc ben, c'est parti, il nous reste 5 minutes. Ouais, voilà, j'ai donné 5 minutes de plus. Hop là, on est parti pour Voilà Rock. Parce que voilà. C'est maintenant, c'est dans les épisodes qui vont suivre que nous allons découvrir le tout. Le Pokémon légendaire du jeu. Giratina. Ah bah oui, je vais les soigner, moi. Merci madame. Merci ma petite dame. Wow. Pardon. Alors toi. Là, non mais regarde un peu ces antennes. Je ne sais pas à quoi elles servent, mais elles sont titanesques. Et je te reconnais, je parie que tu m'as oublié, mais je me souviens très bien de toi. C'est de ta faute s'ils sont partis dans ma cheval. Mon partenaire a jeté l'éponge, puis pour rentrer au pays. Quoi, une clé stockage? Je ne suis pas sûr. En plus.
Ah, laisse-moi faire. J'ai en mon possession la clé stockage, je vois le repère de Tim ici. Il serait en train. Il serait vain attaquer de front, mais nous pouvons en fouiller leur cachette. Eh bien, tu m'accompagnes pas, à toi de voir. Retrouvons-nous dans le hangar de Tim Galaxy. Prépare-toi bien avant d'y aller, je te rejoindrai d'ici peu. Oh yeah! On va attaquer la Team Galaxy, les mecs! On est des fous! Nous allons au hangar, et ben je vais vous laisser en finale ici. Je vais vous laisser à côté du hangar. T'as besoin d'attendre depuis longtemps. Salut, je t'ai fait attendre. Le moment est venu utiliser cette question parce que j'ai extorqué qui craque. Victoire, c'est ouvert. Passez, je passe mes camarades, ne prends aucun risque. Eh ben on va le rejoindre plus tôt, on le rejoindra pour l'épisode numéro 33. Waouh, ça va tellement vite, ça va tellement vite. Et oui, attaque du QG. Et voilà. Donc je vous dis à la prochaine pour l'épisode 33. Épisode 33, oui. Et voilà. Allez, salut tout le monde.